Vice! You dumbass! Start making sense, you rotten book, or you're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one, or maybe I'll put you in the goddamn furnace! How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord! Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us! Salut tout le monde, chers galaxiens, chers galaxiennes, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nier, une nouvelle aventure sur ce jeu incroyable qui m'a été complètement vendu par l'ami Okradou, que je remercie évidemment, qui m'a foutu la hype comme pas possible sur ce Nier, qui pourtant est sorti en 2010, le 23 avril 2010, un jeu d'action RPG, attention, déconseillé au moins de 18 ans, jouable uniquement en solo. C'est un jeu édité par Square Enix et développé par Cavia, et vous allez le voir, il m'a été vendu par Okrad comme le meilleur jeu de la gen 360 PS3. Non, alors plutôt je vais préciser, son jeu préféré de la gen 360 PS3. Moi personnellement, mon jeu préféré de la gen 360 PS3 jusqu'à maintenant que j'ai pu jouer, c'était Red Dead Redemption, qui est complètement différent de Nier, hein. Autant vous dire que c'est pas du tout la même cam. On va découvrir tout ça ensemble, les amis. Attention, il y aura sûrement de jolies cinématiques, il y aura sûrement une ambiance sonore incroyable. Alors attention, le petit défaut du jeu, c'est qu'il n'est pas très très beau graphiquement. Je vous demanderai dans les commentaires de rester respectueux. Il n'y a pas que les graphismes, évidemment, dans les jeux vidéo. En parallèle, je vous fais un jeu qui est magnifique, hein, Tomb Raider. Voilà, Rise of the Tomb Raider. Donc je vous demanderai tout de même de rester respectueux par rapport à ça, même si le jeu n'est pas à votre goût graphiquement, et c'est vrai que je pense que c'est le défaut principal du soft. Eh bien écoutez, on fait table rase, on verra bien, on va commencer une nouvelle partie, let's go, nouvelle partie, on découvre tout ça ensemble. Il y a un mode facile, il y a un mode normal, il y a un mode difficile, je vais jouer en mode normal, et je repasserai éventuellement en mode facile si jamais je n'y arrive pas, on verra bien. Allez, écrase les données, enfin si on peut repasser en mode facile éventuellement après, mais j'aime le challenge, donc on va rester en mode normal. C'est parti, on y va.
Alors, magnifique, je m'attendais à une cinématique, mais non, voilà, vous laissez dire un nom, magnifique, ça commence bien. Bon, les petites gaffes de Galaxou, je vais mettre quoi? Bah écoutez, je vais mettre Galax, hein, voilà, on va mettre Galaxou, tranquille, hein. Galax, du coup, je m'attendais à une cinématique, le mec qui commence à se taire, et puis non, en fait, hein. Voilà, faut rentrer un nom. Voulez-vous nommer votre personnage Galax? Oui! Petit temps de chargement, avec la rotation des lettres, et là, je vous assure que nous allons vivre une grande aventure. C'est quoi ces choses? Un bon sang, qu'est-ce que je dois faire? Alors commande, appuyez sur X pour attaquer et sur LT pour vous défendre. Donc là c'est parti, premier élément de gameplay, let's go. Allez, je te frappe. On frappe avec la touche X et LT du coup pour se défendre, voyons voir, ah oui d'accord, on défend simplement. Bon pour l'instant, deux touches, le gameplay pas trop compliqué. J'ai activé également, il faut savoir dans les options, les amis, ah d'accord il m'a touché. J'ai activé dans les options la vie des ennemis, histoire de voir à peu près la santé, parce que je préfère avoir un aperçu de la santé de mes adversaires. Hop, défense. Voilà, regardez, ça marche très très bien. Pour l'instant, deux éléments de gameplay qui sont plutôt accessibles, et tant mieux. Ok, très bien. You all right, Yuna? Sorry, Dad. I'm sorry. It'll stop in a second. I promise. If the monsters hear me, are they gonna come back for me? I won't let them hurt you, Yuna. I promise. You need to eat something. Stay here. Stay hidden. I'll be right back. Yuna. Yeah? Don't touch that book. Not ever. Do you hear me?
Yes, Dad. Donc, nous venons de faire connaissance avec le personnage principal et avec sa fille, et des méchants qui reviennent. Oh bon sang de bonsoir. Alors esquivez, appuyez sur RT en bougeant pour esquiver. Ok, c'est parti. Je bouge et je vais esquiver comme ceci. Oh la classe, oh c'est bon ça. Ah oui, j'ai tout compris. Allez, maintenant on peut esquiver, on peut également bloquer les attaques. Oh, c'est beau ça. Wouah, j'essaie d'esquiver, c'est pas mal. Alors c'est un action RPG, donc ça reprend un petit peu hein, du sort de Diablo Baldur's Gate, hein, en tout cas pour ce début de jeu. Apparemment, d'après ce que m'a dit Ocrate, c'est un jeu extrêmement varié au niveau du gameplay, donc on aura plusieurs choses. Ah, j'avais l'impression qu'ils sont apparus. Ouais, esquive, joli. Ah ouais, c'est vachement pratique. Que ce soit l'esquive ou le blocage, pour l'instant, c'est très pratique. Yes, ça marche bien. On s'en sort. Vas-y, l'autre, ah non, non, je voulais esquiver. Ah, j'ai pas réussi. I need more power. I need to protect Yona. Stay away from my daughter. Le pouvoir du livre, quoi. Vous pouvez désormais utiliser le sort point noir en appuyant sur LB. Super. On y va. C'est parti. Ou c'est moi ou on est beaucoup plus puissant que tout à l'heure déjà. La vache, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus puissant qu'au début du jeu. Allez, j'ai esquivé un petit peu le pouvoir du point noir. Bon, en fait, on peut les tuer comme ça. En fait, ils sont pas compliqués. Tout va bien. Je peux esquiver un petit peu. Est-ce qu'on peut tourner la caméra? Oui, on peut tourner la caméra. Pas de problème. Le niveau augmente. Niveau 2, super. Très bien. On cogne. On a des combos. Bon, pour l'instant, le début du jeu est assez simpliste. Et tant mieux. On va tenter le pouvoir. Attendez. Pouvoir, point noir. Oh, cool. Niveau augmente. Niveau 3, du coup. Oh, c'est bon. Je sens que je vais aimer. Ah, c'est un adversaire un peu plus petit là. Ok. On se croirait un peu, comme je disais juste avant, sur un Diablo 3, les trucs comme ça. Franchement, j'aime bien. Bah, un action RPG au final assez classique. Un peu hack and slash. Vous pouvez désormais utiliser le sort projectile noir en appuyant sur AB. Je sais, on me l'avait dit juste avant. Ah, mais le sort projectile, c'était encore autre chose. Ah non, oui, d'accord, c'était LB l'autre. C'était LB. Alors, accumulation d'énergie. Maintenez la touche d'attaque physique ou magique appuyée pour concentrer votre énergie et ainsi modifier les effets de vos attaques. D'accord. C'est-à-dire, c'est quoi la touche? Le mec il sait même plus c'est quoi la touche. Oh mon dieu. Attendez, hop hop hop, voilà, je peux envoyer ça. Ou alors point noir. Voilà, direct. Ça marche bien, niveau 5. Oh mais comme on augmente vite en niveau. Attends, mais c'est le niveau 5, c'est vraiment le niveau de mon perso? Franchement on augmente super vite en niveau. Bon bah tant mieux, écoutez, je vais pas m'en plaindre, mais... Voilà donc le pouvoir du livre noir. Sacré pouvoir mine de rien. On dirait des singes. On dirait des singes en mode un petit peu... jaune, noir, des ombres. C'est pas mal. Allez, alors il y a du sang partout, hein. C'est un peu sanglant par contre, je vous préviens. C'est même très sanglant. Ah putain. Niveau 7 atteint, mine de rien. On monte super vite en niveau, je suis surpris. Je pensais pas. Il y a des ennemis partout. Il y a des ennemis partout, il y en aura jusqu'au bout. Allez, boum, le point noir. Splim. J'ai touché les adversaires juste après. Niveau 8, ça monte super vite. Je me demande jusqu'à combien de niveaux on peut aller. Ça me paraît étonnant de monter aussi vite en niveau. Moi qui ai fait beaucoup de jeux RPG quand même. Ça me paraît très rapide hein, comme montée en niveau. Enfin bon, tant mieux. Allez, je suppose que ça va être de plus en plus long à passer les niveaux. Allez, le petit point. Voilà, donc pas mal de pouvoirs magiques. Hein. Pour l'instant, deux pouvoirs magiques. Et après, des attaques simples physiques. Allez, il reste un petit Wistiti là-bas. Salut. Niveau 9. Hein. Parfait. Il en reste encore ici, attention. Ah, des méchants. Hop là, le petit point noir. Très bien.
Ah oui, effectivement, nos attaques sont de plus en plus puissantes. Vous pouvez désormais utiliser le sort supplice noir en appuyant sur LB. C'est-à-dire... Voilà, supplice noir. Oh, c'est bon ça. Mais non, mais sérieusement, là on est trop puissant. Hein. Est-ce qu'on aura vraiment déjà toutes ces attaques-là dans le jeu? Ou alors est-ce que là c'est une prémisse ou... quelque chose comme ça, et après on va retourner peut-être à un état niveau 0, ça se trouve. Je sais pas. À voir. Allez, boum. Oh, mine de rien, l'attaque elle est géniale. Hein. Ah ouais, ça les prend, ça les plante carrément sur, sur les pics. Ça leur fait beaucoup de dégâts, c'est pas mal du tout. Franchement, moi j'aime bien. Ok, attention, je l'ai vu celui-là. Allez, encore une fois, on recommence. Boum, ça les empale carrément. Niveau 13. Très bien, en tout cas. Le but ici, on a fait connaissance déjà premièrement avec les deux personnages, donc le personnage que l'on contrôle, le personnage principal, et sa fille, donc déjà mine de rien c'est cool. Le but étant de protéger ma fille évidemment, et en fait l'histoire du jeu je suppose va tourner un petit peu autour de ces deux personnages, et il y en aura d'autres évidemment qui vont se rajouter au fur et à mesure de l'aventure, mais je ne connais pas moi-même le jeu. Voilà, c'est pour ça que je ne vous dis peut-être des bêtises et c'est pour ça que je ne parle pas trop. Parce que je ne sais pas quoi dire sur le jeu, je ne connais pas le scénario, je vais le découvrir en même temps que vous. Parce qu'Ocrad m'a bien dit, tu vas voir, tu vas être surpris. Alors, vous pouvez désormais utiliser le sort Javelot Noir en appuyant sur LB. Ok, boum. Ah ouais, Javelot. Oh, mon dieu, onde de choc. Je me suis fait surprendre, par contre, je me demande, il y a toujours des ennemis ou comment ça se passe? Attends, Javelot Noir. Boum, ah ouais, pas mal. Donc ça, c'est un pouvoir à distance un petit peu, hein. Cool, regardez, hop, Javelot, ouais, niveau 16, oh j'adore, mine de rien, j'adore les attaques spéciales. Autant vous dire que ça, alors par contre au niveau de la consommation de magie, on est comment? Ok, non, mais en fait vous voulez que je vous dise ce qui m'étonne? Ce qui m'étonne c'est qu'on ait, dès la première scène du jeu, autant de pouvoir en fait. C'est ça qui est très étonnant, c'est pour ça que je me demande si après dans le jeu on va pas nous faire justement revenir à un état 0. C'est surprenant. Attendez, hop là. Ah oui, c'est vrai qu'on peut maintenir ça, j'avais oublié. Aïe, on se calme les gars. Boum, voilà, Javelot. Ah mais maintenant ça veut dire que je peux plus faire ma deuxième attaque. Ah si, ok. Oh, mais on peut en faire plusieurs. Plus tu maintiens la touche, regardez. Regardez, hop. Hop là. Plus tu maintiens la touche, et plus justement tu en envoies hein, de Javelot. Ce qui est vraiment excellent, mine de rien, deux projectiles. Ok, bon, en tout cas vous me dites hein, si je me trompe. Ocrad et les connaisseurs, n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans les commentaires pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu. Hop là. Ouah. Et mine de rien aussi je fais ce let's play, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on en a très très peu vu les amis sur YouTube. De ce jeu il y en a très très peu et c'est dommage hein, parce que vraiment le jeu a l'air pas mal. C'est vrai que je pense que ça a arrêté beaucoup de joueurs et beaucoup de journalistes, le typique, par rapport au graphisme du jeu qui certes ne sont pas exceptionnels. Yona. Ok, donc là c'est bon, je les ai tués. On est tranquille, je vais retourner voir la fille. Ah, d'accord, je vois. Petit boss de début de jeu. Attention. Salut Coco, je te vise. Boum. Oh, d'accord. Ok, ils sont pas gentils. Alors, est-ce qu'on a un moyen de regagner de la santé? Apparemment, je regagne pas de santé, les amis. En tuant les adversaires. Bon, alors ce qui est bien, c'est que je lui use pas mal de vie avec le... sort de Javelot. Par contre là ils vont me casser un petit peu les bonbons. Boum. Vas-y, on voit lui, très bien. Premier boss du jeu, ce qui est plutôt cool. Ouais d'accord, j'ai bien fait de changer de côté les gars. J'ai bien fait de changer de côté. Allez, pas mal de dégâts, est-ce qu'on peut l'attaquer? Oula non, je pense qu'on va rester un petit peu plus loin. Vous voulez bien? On va l'attaquer avec le Javelot. Ça suffira. Boum, de toute façon on les tient à distance, pas de problème. Hop, vas-y, envoie lui. Ça lui fait beaucoup de dégâts, toi tu vas rester tranquille mon gars. Voilà. Parfait, hop, on va lui envoyer. Schlack, ça marche très très bien, cette attaque elle est géniale. Voilà, bon il m'envoie des trucs, je les esquive très rapidement. Très bien. Il est presque mort, attendez je vais tuer ça. Je vais changer un petit peu de côté, pareil que ça se fait. Et on va le finir. Boum, allez on reste encore un petit peu. On attaque au corps à corps rapidement. Allez, voilà, il y est, c'est bon. Point faible, infligez les dégâts importants à l'ennemi lorsque l'icône de son point faible s'affiche à l'écran. Détruisez-la dans le délai accordé. Ah d'accord, d'accord, ok. Ah d'accord. D'accord, fallait lui sauter dessus alors. Fallait lui sauter dessus dans ce cas. Comment tu voulais que je devine mon gars? C'est mon premier boss, je pouvais pas deviner. Donc en gros, faut l'attaquer. Attendez, laisse-moi réfléchir. Ouais, là.
Là. Ah mais, je comprends pas, attendez, comment je cible là-haut? Ah non, du coup, je pourrais le cibler encore mieux alors. Hop, allez. On va le refaire, les gars, on va le refaire, attention, parce que là, je vois qu'il me lance des projectiles. On va se le refaire, le gars. Voilà. Là, je vais le viser. Allez. Voilà, c'est bon. Nickel, j'ai tué le boss et j'ai augmenté vachement au niveau. Donc en fait, j'aurais dû continuer avec les projectiles du début à la fin. Niveau 30, mine de rien. Eh, c'est énorme. Ce qu'on gagne en niveau quand on bat le boss. Excellent. Alors en tout cas, je vous le dis, j'ai de très bonnes sensations au niveau du gameplay en tout cas. Le gameplay du jeu est pas mal du tout, moi j'aime bien ce... De toute façon, j'adore les jeux d'action RPG, donc ça devrait me plaire. On verra bien, je vais retourner à l'intérieur, voir ma fille du coup, si elle est encore là évidemment. Yona, talk to me. Dad, are you alright? Don't worry about me, I'm fine. That's good. Oh, look, I found this while you were gone. A cookie? Hey, that's your favorite. Here, we can split it, okay? No, you take it. Dad, no. You need to eat something. All right, give me the small half. No. Come on, Dad. You're bigger than me. You have to eat to serve... Yona? Yona! Oh no. I dropped the cookie. I didn't mean to. You've always been the one helping me. Yona! What have you done? So I wanted to... No! Yona! Yona! We need help. We need help! Please, anyone! Help! Help us!1312 ans plus tard. All right, I'm off. Ah ouais, quand même. On a fait un sacré saut en avant. Hein. Dad? Hey, Dad. You want to hear about the crazy dream I had last night? Hmm? See, I was in it, and you were in it too, and we were riding around on this huge pink cloud, and then... Yona, I'm sorry. I have to go. You can tell me when I get back. Oh, wait. Can you get me a book while you're out? Sure. Now stay here and rest. We can't have your cough coming back. Effectivement, ce serait dommage. Bon, et bien écoutez, voilà, on a fait un sacré bond en avant, mine de rien, au niveau de l'époque. Je peux lui reparler, mais bon. Oh, elle est si mignonne. C'est mignonne. Je t'aime, papa. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Apparemment des objets à récupérer. Alors là, je peux sauter, super. Oui, le truc très utile qui sert à rien. Examiner, voyons voir. Alors, obtenu herbe médicinale. Ah, ça j'aime bien. Ça va me permettre de me guérir, justement, seulement pendant les combats.
Ensuite, ah, songez. Est-ce que c'était Jills? Ça rappelle un petit peu le bon vieux temps des Final Fantasy, etc. Allez, ouvrez la porte. Nous allons jeter un petit coup d'œil dehors. Je dois aller à la bibliothèque. Papola m'attend. Ok, on y va. Allez, un petit peu d'extérieur. Ok, ah oui, c'est ça le fameux jeu qu'on me disait qui était super moche. Bon, c'est pas dégueulasse. Faut pas non plus être méchant, mesdames et messieurs. Moi, j'aime bien les couleurs. Perso, j'aime bien les couleurs. Après, c'est sûr que c'est un peu aliasé. Je vous rappelle qu'on est sur Xbox 360. Faut pas trop être méchant non plus. Oh, une jolie boîte aux lettres. De Dieu, est-ce qu'elle est réglementaire, celle-là? Je sais pas. Elle est un peu trop longue et pas assez large. Bref, on est dans un monde imaginaire en même temps. Alors, vous pouvez sauvegarder votre partie près des boîtes aux lettres. D'accord. Il y a des boîtes aux lettres partout dans le monde, alors ouvrez l'œil. Ok, pas de problème. Alors, voyons voir. Des boîtes aux lettres. Sauvegarder, effectivement. Bah, je veux sauvegarder la game. Voilà, on va prendre le premier slot, bien sûr. On va sauvegarder. Alors, les amis, pour cette série, Village de Galaxe. Oh, c'est bon ou ça? J'ai mon propre village. Et donc, regardez, c'est ce que je disais. On est au niveau 1. Ça veut dire que vraiment, là, on a commencé avec des niveaux qui augmentaient super vite. Mais là, je suis convaincu que les niveaux du personnage ne vont pas augmenter aussi vite que ce qu'on a eu, bien sûr, dans la scène d'intro. C'est complètement impossible. Donc, premièrement, le point de sauvegarde est représenté par un point vert bleuté, on peut dire. Sur le radar en bas à droite. Ok, on a sûrement la jauge de vie en haut à droite. Je vous présenterai rapidement un petit peu le menu du jeu, etc. Là, l'affichage. Là, on va ramasser quoi? Encore une fois, une herbe médicinale. Très bien. Non, moi, je trouve pas le jeu si moche que ça au final. Alors, il est pas beau. De toute façon, il date de 2010. C'est vrai qu'en 2010, on avait eu à côté Red Dead Redemption, par exemple. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais bon, voilà. On va pas critiquer plus. Oh, salut mon chien. Comment ça? Enfin, c'est un chien? Oui, c'est un chien ou un chat? Non, c'est un chien. C'est un petit chien. Ok. Oh, écoutez la musique. C'est beau. Morning. Bonjour. Hello, Devola. Devola, elle s'appelle. Well, someone looks raring to... You know how it is. I'm just trying to... C'est pour ma fille que je travaille. Bah oui, c'est pour ma fille. Ok, donc apparemment, on a une croix rouge, les amis, sur le radar. On va aller en direction de la croix rouge. Effectivement, donc il faut remonter. Mais écoutez-moi cette OST, bon sang! Ça commence fort, directement vers la fontaine. C'est ça aussi, c'est que vraiment dans ce jeu, je reparle un petit peu de Okrad, vu que c'est lui qui me l'a un petit peu vendu, ce jeu. Il m'a vraiment dit qu'il y avait une OST de dingue, et effectivement, il me l'a fait écouter, et je trouve qu'elle est vraiment sublime. De gigantesques bâtiments de pierre, des boîtes de métal qui transportaient les gens. Les anciens savaient fabriquer bien des merveilles. Ok, donc je pense qu'il faut que je monte par ici, par les escaliers. Hop, et je fais ce jeu, je vous le rappelle, en totale découverte. Bonjour Galax, viens-tu voir Papola? Oui, exactement, c'est ça. Apparemment, ce grand bâtiment. Ouvrir. En tout cas, pour l'instant, bah écoutez, je suis enchanté par le jeu. Je n'ai pas de problème particulier avec celui-ci. Je ne suis pas non plus choqué par les graphismes. Parce qu'on m'a dit, attention, ça va piquer. Bah écoutez, non, moi ça va, je suis pas choqué du tout en fait. Parce que j'ai vu des jeux bien pires que ça. Allez, ouvrons. Ah, j'aime bien, mine de rien, quand ça passe sur un plan comme ça, limite en 2D. C'est pas mal. Alors, bonjour. Bah, ça tout ne s'améliore pas. Voilà qui est inquiétant. J'espère qu'elle se remettra bientôt. Moi aussi. Je suis si désemparé. Je ne peux faire grand-chose pour elle, à part m'assurer qu'elle mange assez. La plupart du temps, j'ai l'impression de ne servir à rien. Oh, ne dis pas des choses pareilles. Elle ne pourrait pas avoir un père plus attentif que toi. Au fait, j'ai une faveur à te demander. L'apothicaire du marché aimerait que tu ailles chasser des moutons sur la plaine septentrionale. D'accord, je m'en occupe. Voici une carte de la plaine. Tu en auras probablement besoin. Effectivement, carte de la plaine septentrionale. Alors, pour examiner la carte de la région, appuyez sur Back. Ok, vous devez vous procurer la carte d'une région avant de pouvoir la consulter. C'est d'accord. Oh, et j'oubliais. Quand tu remettras le mouton à l'apothicaire, pourras-tu m'acheter 3 herbes médicinales pendant que tu y es? Il ne m'en reste plus. Tiens, ça devrait être assez. Yes! 1000 G, c'est bien ça. À ce que je sache, les herbes médicinales ne coûtent pas aussi cher. Eh bien, profites-en pour acheter quelque chose pour Yona. Tu n'es pas... J'insiste. Voilà, elle est si gentille. Ok. Qu'est-ce qu'elle me veut? Popola. Merci, Popola. Merci pour tout. You know, all the work you give me. You've been telling the villagers that I'm for hire, haven't you? Oh, that? It's nothing. They need help. And you need money to take care of Yona. This way everyone wins. I suppose so. Ok, bon, on va continuer. On va devoir lui acheter des herbes médicinales au passage. J'en ai en plus déjà récupéré deux, les amis.
dans le jeu pour l'instant. Alors je peux discuter avec les autres personnages, avec les autres PNJ du jeu. Ok, alors on va redescendre très rapidement. Je n'ai pas de flèche, mais je suppose qu'on aura deux croix, du moins deux croix rouges. Mais je suppose qu'on en aura à l'extérieur du bâtiment. Allez, examiner. Yona ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici ? Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Yona, que fais-tu là ? Hey. Oh, salut papa ! Bon sang, Yona, tu sais pourtant que t'es trop malade pour te promener dans le village. Et regarde, ton ruban s'est dénoué, tu vas le perdre si tu ne fais pas attention. Désolé papa. Seulement, je me suis dit qu'il y aurait peut-être des livres sur la maladie à la bibliothèque. Oh, Yona, ne te fais pas tant de soucis. Tâche de bien manger, de te reposer, et dis-toi tous les jours que tu iras bientôt mieux. Si tu le fais, ta maladie se guérira toute seule. Vraiment ? J'en suis certain. Écoute, le travail m'attend, mais je rentrerai bientôt. D'accord, ma chérie ? D'accord. Et puis, d'accord. Allez, je peux sortir maintenant. Ah là là, ces enfants. Le 20 juillet, Devola et Popola sont venus me rendre visite aujourd'hui. Elles m'ont même chanté une chanson. Et j'ai pas eu le temps de finir de lire, je kiffe. Our world is dying. Once thriving populations now lie decimated by plague and disease. The end has never felt so close. And if that wasn't enough, monsters called shades now roam the land, threatening our very lives. But that's of no consequence to me. My daughter is sick, and my only concern is to give her a better life. I try my best, but I'm only one man, and hard one at that. So the kindness of the villagers has meant much. Nothing will stop me. I will fight for Yona until the end. Until the very end. Donc les ombres, ce sont les méchants, ce sont les personnages qu'on a vus, enfin les méchants qu'on a vus au début du jeu dans la première scène, hein, les méchants qu'on a combattus et qui font flipper, voilà, ou pas, non ils ne font pas spécialement peur. Alors à ce qui paraît dans le jeu, il y a vraiment quelque chose de compliqué, ce sont les boss, hein. Alors on verra bien, moi j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a ici par exemple ? Un petit objet ? Ramasser ? Oui évidemment que je veux ramasser s'il te plaît. Alors obtenu herbe médicinale, très bien. Ok. Ensuite, alors est-ce que je retourne sauvegarder ou pas ? Non, c'est bon, je pense qu'on peut y aller. On va continuer un petit peu le jeu. Bonjour monsieur le garde, comment allez-vous ? Parfois, nous n'avons pas de quoi nourrir nos animaux, les pauvres. Ils doivent être affamés. D'accord, c'est juste pour me dire ça quoi, super. Allez, on va sortir de la ville peut-être éventuellement, je ne sais pas. Est-ce que c'est comme dans certains RPG, on sort de ville pour aller ailleurs, etc. ? Pas du tout, par contre nous sommes armés. Ah oui, par contre là, on est armé, on a une épée, donc ça sent le combat. Avec une petite musique qui se met en route. J'adore. On peut sauter, d'accord. On va pouvoir attaquer par la suite, ok. On a un monstre là, regardez. Mais non, mais c'est un mouton. Mouton, viens là, mouton. Mouton, combo. Moi, je fais des combos avec un mouton, c'est énorme. Approchez-vous de votre proie et appuyez sur B pour récupérer des matériaux utiles. Ok. J'adore, et je vous jure, j'adore l'OST du jeu. Ah, j'ai eu de la laine, super. Il me faudrait aussi, il me semble encore, des herbes médicinales. Et donc là, du coup, on est... en open world, dans le jeu en fait. On est... Ah, il m'a foutu un coup de cul ! Non, c'est vrai ? T'es sérieux ? Il m'a foutu un coup de cul ! Ça va bien là ? Ça va pas, t'arrives là ? Reste là ! Reste là où je m'énerve ! Et j'ai plus de pouvoir là, je peux juste attaquer, voilà, j'ai plus de pouvoir comme ce que j'avais dans l'intro du jeu du coup. Reviens, mouton ! Mouton, reviens ! Boum ! Voilà. Ah, ça saigne un peu, hein. Ok. File-moi ta laine. Viande de mouton. Ah oui, d'accord. Donc, on va un petit peu chasser encore, attendez. Alors, est-ce qu'il y a que des moutons ? Eh, c'est des chèvres, ça ! C'est pas des moutons, les gars ! Ah, les chèvres sont peut-être plus résistantes. Un peu plus cons aussi, mais... Très bien, elles foncent dans les murs. Je veux... Reviens ! Reviens ici, je fais de la chasse ! Ça y est, chasse à la chèvre ! Non, mais reviens, bon sang, reviens ! D'accord, oh mon dieu. Je ne cours pas plus vite qu'une chèvre. Tout va bien. Voilà, je suis foutu encore un coup d'épée. Mais non, mais va pas dans le précipice, bon sang, reste là ! Vas-y, je prends, et ça me donnait quoi ? Viande de chèvre. Oh non, mais je croyais que ça me donnait du fromage de chèvre, moi. D'accord, bon, ça c'est bien, on peut chasser. Il nous faut aussi des herbes médicinales, il me faut de la laine, donc ça on l'a eu, la laine. C'est bien, elle a voulu, il a voulu me foutre encore un coup de patte arrière, hein. C'était méchant. Ah d'accord, mais il faut vachement bien les courser, mine de rien. Hein. Ils sont super rapides, et c'est chaud. Ah non, je me suis loupé. En fait, il faut être chez... C'est quoi ce pont ? Ok. Allez, allez, voilà, on l'a eu, c'est bon. Bon, je pense qu'on a assez de laine. C'est quoi qu'on a récupéré là ? Ah, mais non, c'est juste le logo pour dire qu'on peut prendre quelque chose. Allez, bah écoutez, je pense qu'on a eu pas mal de laine. On va essayer de rentrer maintenant, de retourner à la ville.
Est-ce qu'il y a moyen de mettre la caméra un petit peu plus grande? Alors voilà, on s'est pas encore bien fait au gameplay, les amis, vous en faites pas, mais c'est bon, je sais où je dois aller de toute façon. Il me semble qu'il fallait que je récupère de la laine. Est-ce qu'on a le menu start? Ouais, donc apparemment on a un menu objet. On est au niveau 1, effectivement. On a le menu objet, donc herbe médicinale, j'en ai 3, donc c'est bon. De toute façon, j'ai 3 herbes médicinales, je sais pas où je l'ai récupéré, mais je l'ai récupéré. Ensuite, animaux, je peux appeler un animal apparemment, on s'en verra pas la suite. Et on peut régler les paramètres. Et apparemment, est-ce qu'on peut régler la difficulté? Ça, je regarde pour la suite du jeu, voilà. Et non, on ne pourra pas régler la difficulté du jeu apparemment dans les options, ce qui est très mal. Et là, on a la carte agrandie, du coup, la plaine septentrionale. On va revenir, on a récupéré de la laine, je ne sais pas combien il fallait de laine avec les moutons, du coup. On verra bien, je vais y retourner, et de toute façon, la mission va m'indiquer si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà, je me souviens plus ce qu'il lui fallait. Je vais y retourner, et puis écoutez, je pense qu'on s'arrêtera là pour ce premier épisode. Le but étant de le faire découvrir déjà, premièrement. Et deuxièmement, on continuera l'aventure par la suite. Je sais que c'est un jeu spécial, je sais que tout le monde sur la chaîne ne va pas apprécier. Et donc non, voilà, faut que je continue ici. Faut que je continue, ce n'est pas bon, on n'a pas récupéré apparemment assez de laine ou quoi que ce soit. Donc, eh ben écoutez, on va continuer. Voilà, je suis revenu ici pour rien du tout. Voilà, autant vous le dire. Je patauge, j'entends la soupe. Voilà, donc je sais que c'est un jeu, effectivement, comme je vous le disais, qui ne va pas plaire à tout le monde. J'en suis conscient. Mais je pense que les fans d'action RPG, vous allez voir, vous allez kiffer le jeu. Et surtout, soyez patients, parce que là, ce n'est que le début. On n'a pas encore beaucoup d'attaques, on n'a pas encore beaucoup de choses. Il y a également un scénario extrêmement profond dans ce Nier. Donc franchement, je vous conseille de patienter, et j'espère qu'on va le découvrir ensemble. Et qu'on va vraiment apprécier ce jeu ensemble. Et mine de rien, les plaines sont géantes, quoi. Ah ouais, attention à l'arrière, parce qu'il nous frappe par l'arrière. Je récupère de la laine à tout va. On adore. Voilà, viande de mouton, de la viande et de la laine. Bien, il ne me reste plus qu'à apporter la viande à l'apothicaire. Ok, donc là c'est bon, fallait juste avoir un peu plus de viande. Et en plus, on a les 3 herbes médicinales qu'on a récupérées. D'accord. J'ai eu un petit truc bizarre qui s'est passé là. Bonjour, messieurs. Attendez, oula, je vais esquiver parce que là, il m'attaquait, lui, c'était pas gentil, voyez-vous. On va continuer, vas-y. C'est bon, on a tué un, parfait. Normalement, je devrais augmenter en level, si tout va bien. Je tape dans le vide. Si je tape dans le vide, ça va pas le faire. Hein. Bon, au final, oui, une construction au niveau des combats relativement classique, hein, si on regarde bien. Y a rien de bien particulier, ça reste un action RPG, attaque, défense. Donc voilà, et augmentation de niveau au fur et à mesure, un système de leveling classique. Donc moi je ne suis pas du tout surpris. Alors je croyais qu'il était mort, je suis con. Donc pour l'instant par contre on n'a pas d'attaque spéciale hein, comme ce qu'on avait dans l'intro. Et là on passe au niveau 2. Je ne pensais pas que les ombres oseraient s'aventurer si près du village. Ah, c'est vrai que là on est juste à côté quoi. Hein. C'est assez impressionnant le truc. Hein. Ok, donc j'ai augmenté en XP. On est maintenant, comme vous pouvez le voir, au menu start au niveau 2. Avec Et il nous reste encore 202 XP à avoir avant d'augmenter de niveau et de passer au niveau 3. Ok. On va revenir maintenant dans la ville. On va ramener tout ça à l'apothicaire. On a de la viande de mouton, on a de la laine, on a tout ce qu'il faut. On va pouvoir lui apporter tout ça également, les 3 herbes. Voilà. Bah écoutez, mine de rien, on commence bien ce let's play. Alors excusez-moi, ce soir j'ai un petit peu la voix pétée. On ne peut même plus chasser en paix de nos jours. Incroyable, je devrais apporter la viande de mouton à l'apothicaire. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que le jeu au moins nous répète ce qu'il faut faire si jamais on aurait oublié éventuellement. Donc là, ah oui, on peut attaquer quand même ici, on peut attaquer. Donc regardez, on trouve des objets un peu planqués. Dans le village et autres. Herbes médicinales. Encore une fois, putain, il y en a de partout, sérieux. Il y a des herbes vraiment partout. Regardez, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Si c'est encore une herbe, c'est génial. Et encore une herbe, il y en a partout. Incroyable ça. Il y a des herbes partout. Enfin, tant mieux, hein, je vais pas m'en plaindre. Ok, donc on va revenir au centre ici. Moi, je vais suivre en direction de la flèche rouge. De la croix rouge, du moins, pardon. Voilà. Oh, bonjour. Il y a des villageois ici. J'ai envie, franchement, j'ai envie de visiter. C'est un truc de dingue. C'est où qu'il faut que j'aille? Bonjour, villageoise. J'ai l'impression que c'est ça en plus. Attends, bonjour. Oh, tu ne vas pas à la chasse aujourd'hui? Bah, je sais pas, mais d'accord. Où est l'apothicaire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est lui? Bonjour. Je viens tout juste de recevoir de nouvelles marchandises, Oui, pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil? Alors, pas maintenant, si tu veux bien. Ah si, mais est-ce qu'il faut pas que je le vende? Eh non, c'est pas là, attends. Je suis au mauvais endroit. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Eh, pourtant, c'est bien là. Attends. Je suis pas fou non plus, well, bonjour. Hello. Non, ça c'est la fleuriste. Galaxou, ça c'est la fleuriste. Tu te trompes. Ah mais d'accord, fallait peut-être monter là-haut. Ouais, c'est sûrement sur 2 étages. Je dois me tromper. Non, pourtant, l'apothicaire c'est bien en bas. Ça peut être que là l'apothicaire. Eh ben au champ de bonchoir. Ok, bon. C'est bien ici qu'il faut le vendre, ou alors faut que je retourne. Non, c'est bien là, c'est sûr que c'est là. Hein.
Ah, ça doit être lui. Yo. Vous vouliez de la viande de mouton ? Oh, merci beaucoup. Tout le monde en raffole ces temps-ci. Tiens, ce n'est pas grand-chose, mais j'aimerais que tu l'acceptes. Et remercie aussi Popola de ma part, d'accord ? Bien sûr ! Ok, on obtient 600 G. Magasin. Les magasins offrent une multitude d'objets, d'armes et de matériaux. Oui, bah je me doute, hein, comme dans tous les RPG. Ok, super. Bah écoutez, pour l'instant, je suis pas du tout dépaysé. Alors, c'est pas pour... je dis pas ça contre le jeu. Je vous dis, je ne suis pas dépaysé dans les mécanismes. C'est en toute somme plutôt classique. Voilà, en tout cas en termes de gameplay, en termes de... d'objets même, ça reste un petit peu pareil, donc tant mieux, je suis content parce que je suis pas perdu, c'est typiquement dans ce que j'aime pour être franc. Pour l'instant des mécanismes plutôt classiques, et apparemment Okrad m'a dit que le jeu était extrêmement varié niveau gameplay, donc j'ai hâte de voir ça par la suite. Bon, mais écoutez, voilà, j'espère vraiment que vous aurez apprécié ce premier épisode. Moi en tout cas, je suis pas spécialement choqué des graphismes, je m'attendais à pire, voilà, parce que quand on m'a dit tu verras Galax, le jeu est dégueulasse et tout, d'accord. Non, je trouve même que... honnêtement, même les couleurs, le ciel et tout, je trouve pas ça dégueulasse. C'est juste, effectivement, un tout petit peu vide. Hein. Voilà, on peut le dire, c'est un tout petit peu vide. Mais sinon, à part ce côté un peu vide de la plaine, honnêtement, je trouve pas ça non plus horrible. C'est simpliste, mais c'est pas horrible. Et il y a une certaine aura qui se dégage quand même. Je sais pas, mais je trouve ça pas dégueulasse, honnêtement. Mais bon, voilà, ça m'empêchera pas en tout cas d'apprécier le jeu. Ça, c'est sûr. S'il en a vraiment dans le ventre, comme me dit Okrad, je vais adorer. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vous laisse là pour ce premier épisode. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié. On va aller faire un petit tour tout de même vers la sauvegarde, hein. Il paraît que c'est mieux. Voilà, on va sauvegarder. On va arrêter le premier épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, hein, si ça vous a plu ou non. Voilà, alors si ça ne vous a pas plu, c'est que vous n'êtes pas trop fait pour les jeux originaux. Pour les jeux comme ça, justement, qui se démarquent des autres. Parce que si vous jouez qu'à Call of Duty, c'est sûr qu'on va y avoir quelques problèmes. Mais sinon voilà. Franchement, pour ceux qui veulent suivre une aventure originale, une aventure peu vue sur YouTube, hein, sur un jeu qui s'avère être, avec le temps, excellentissime, parce que oui, le jeu, à la sortie, avait pris quelques notes pas sympathiques du tout, au niveau de la presse JV, mais les joueurs avaient vraiment, après, dit « Non, vous vous êtes trompé, c'est vraiment un jeu d'exception, et vous êtes passé complètement à côté. » Voilà, donc là, comme quoi la presse, des fois, elle ne donne pas toujours les notes et les appréciations, j'ai envie de dire, correctes et véritables. Voilà, et qui représentent la vraie valeur du jeu. Eh bien écoutez, je vous laisse là, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de Nier. Je vous rappelle un jeu sorti en 2010, c'est de l'action RPG, les conseils au moins de 18 ans, parce qu'il y a du sang, attention, donc pour ceux qui sont assez jeunes. Voilà, portez-vous bien, vive les jeux vidéo, n'oubliez pas éventuellement le petit pouce bleu, si ça vous a plu, ça motive toujours pour la suite. Je sais très bien que ce jeu va partager sur la chaîne, mais c'est pas grave, je fais vraiment ça par passion, je vous le rappelle, et j'espère que vous apprécierez, en tout cas, pour ceux qui aiment les RPG et les jeux type action RPG. Voilà, portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à la prochaine. Salut tout le monde !